vous êtes dans l'Africa Newsroom. Merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, la justice sud-africaine rouvre la voie à un possible procès pour corruption contre le chef de l'État Jacob Zuma. L'annonce a été faite ce vendredi. Il s'agit de l'affaire ouverte contre lui il y a une dizaine d'années, dans laquelle le président est poursuivi pour corruption dans un dossier relatif à des ventes d'armes. À suivre également dans cette émission, la dévaluation du birr, la monnaie éthiopienne, une mesure destinée à répondre aux attentes du Trésor et en même temps à celles du Fonds monétaire international. Et dans notre Zoom culture et société, gros plan sur l'enseignement public au Sénégal, un enseignement mis en péril par la pénurie d'enseignants. Une actualité chargée, vous l'aurez compris. Et pour en débattre sur ce plateau, Serge Dossou-Yovo, consultant politique et développement. Bonsoir. Bonsoir. Et sur ce, de vous retrouver sur Africa 24. Également, alors sur ce plateau également, Adam Azeizi, consultant en stratégie. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Et Gracien Roukandikiza, notre éditorialiste. Bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Et c'est un revers de plus pour le président sud-africain Jacob Zuma. La Cour suprême a confirmé ce vendredi 13 octobre que le président pouvait être poursuivi pour corruption. L'affaire, vous le savez, remonte à 1999, alors que l'actuel président Jacob Zuma était vice-président à l'époque. Il avait été inculpé notamment pour corruption, des accusations portant sur un gros contrat d'armement. Gracien, ce jugement intervient alors que le président est affaibli, hein, on le sait, par une série de scandales. Est-ce que ce procès en vue peut éventuellement relancer les appels à la démission contre le président Jacob Zuma? Oui, il y aura bien sûr des appels à la démission. Il y a une partie de l'ANC qui demande déjà sa démission. Il y a aussi COSATU, le syndicat, le grand syndicat sud-africain qui l'a soutenu, qui soutient aussi l'ANC, qui fait partie des trois composantes, disons, de la coalition du gouvernement, le Parti communiste, COSATU et l'ANC. Il y a aussi le Parti communiste qui aimerait bien que Zuma tombe. Mais il faut dire que Zuma garde encore de l'énergie, il garde de la force, il a des gens au Parlement qui le soutiennent encore. Il y a beaucoup de gens de l'ANC qui n'aimeraient pas que il tombe de cette façon, parce qu'il est presque à la fin de son mandat. S'il tombe par corruption de cette façon, c'est-à-dire que l'ANC va perdre beaucoup de voix. Et les militants de l'ANC aimeraient bien qu'il y ait un remplaçant de Zuma qui soit de l'ANC. Or, il y a des partis qui montent. Donc, ils sont partagés entre le départ aujourd'hui de Zuma ou le départ après, juste après son mandat. Mais certains aimeraient bien bloquer son ex-femme Zuma. Donc, pour qu'au moins il y ait un changement au sein de l'ANC. Serge Dossou-Yovo. Oui, enfin, c'est un procès de plus, et ce n'est pas un simple procès. 783 chefs d'accusation, il n'y a pas que la corruption qui lui est reprochée. Il y a également fraude fiscale, il y a également extorsion de fonds. Donc, c'est quand même assez lourd comme accusation. Donc, je crois qu'il ne va pas avoir la tâche très simple. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est mis en difficulté, il a déjà montré sa capacité à rebondir. Comme disait l'éditorialiste tout à l'heure, il n'est pas très loin de la fin de son mandat. L'ANC mettra tout en œuvre, je pense, pour que le président Jacob Zuma puisse terminer le mandat. Maintenant, une fois qu'il aura fini, auront-ils la capacité de le remplacer par quelqu'un de l'ANC? Ça, c'est toute la question et c'est tout l'enjeu des prochaines échéances. – Alors, 783 chefs d'accusation, d'inculpation, c'est quand même la plus grosse affaire de corruption qui touche le président sud-africain. C'est un enjeu important pour le président sud-africain et pour son parti, l'ANC. Néanmoins, je tiens à relativiser l'inquiétude par rapport au changement radical en Afrique du Sud, à savoir qu'aujourd'hui, l'ANC reste quand même la première force politique. Donc, c'est un ajournamento qui se fera en interne au niveau des instances du parti. Zuma va finir son mandat jusqu'en 2018, ça c'est une certitude. La question aujourd'hui est qui sera le remplaçant de Zuma. On voit que ces affaires en
pénaliser le parti, notamment dans les grandes villes. L'ANC a perdu les 6 premières grandes villes sud-africaines aux dernières élections, Pretoria, Port Elizabeth, Cape Town. Donc aujourd'hui, le parti travaille en interne pour pouvoir se renouveler. On voit des candidats qui sont poussés par des intérêts différents. On voit la candidate directe de M. Zuma. On voit l'ancien ministre des Finances qui a une position qui est complètement différente, qui se place au sein de l'ANC pour essayer de pousser vers un changement au niveau de la politique économique du pays. – Alors justement, est-ce que la décision du parquet peut éventuellement influer sur le choix qui continue de diviser au sein de l'ANC, donc le choix du futur ou de la future présidente du parti ?– L'ANC est un parti qui est assez pragmatique, à savoir qu'aujourd'hui, il estime que dans l'intérêt de l'Afrique du Sud, il est primordial de montrer au monde une image de stabilité qui permette d'une part de stabiliser sa monnaie qui a subi une forte volatilité en raison de ces derniers incidents politiques, également pour encourager les investisseurs à revenir en masse dans cette composante de ce qu'on appelle les briques aujourd'hui, qui était un peu le maillon faible ces derniers temps. Donc aujourd'hui, la crise du chômage en Afrique du Sud apporte beaucoup plus pour les enjeux électoraux que le changement du président, car le changement viendra et néanmoins se fera en douceur pour pouvoir permettre à l'Afrique du Sud de conserver cette position de havre de stabilité dans la région et de territoire d'investissement attrayant pour les investisseurs étrangers. Justement, je crois que les arguments que vous donnez justement sont de nature à inquiéter un peu l'ANC. Ça fait très longtemps qu'ils sont au pouvoir, il y a une érosion progressive dans le temps. N'oublions pas aussi que le monde est dans un moment de transformation, de mutation profonde, et que sur cette base-là, l'Afrique du Sud peut également faire le choix du changement complet. On a vu dans les grandes régions géostratégiques du monde, ce n'est pas les résultats qu'on attendait qui sont arrivés. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un point à surveiller beaucoup comme du lait sous le feu. – Gracien. – Oui, disons que l'Afrique du Sud, surtout l'ANC a pêché au niveau de sa base. Prenons l'ANC arrivée, c'était des Noirs, des Blancs qui étaient au pouvoir. Et il fallait travailler pour au moins élever le niveau de vie des Noirs. Qu'est-ce que l'ANC a fait? L'élite de l'ANC s'est mise à table, ils ont partagé le gâteau. Le futur président, si c'est éventuellement Cyril Ramaphosa, il a pris le gros gâteau. Maintenant, c'est lui qui apparaît comme le prochain successeur de Zuma. C'est-à-dire qu'il y a une élite de l'ANC qui s'est beaucoup enrichi, qui a oublié la masse. Ils n'ont pas fait vraiment une politique de masse pour développer, pour lutter contre la pauvreté au niveau de la masse. Et du coup, aujourd'hui, c'est cette masse-là, la masse qui est élite, qui est en train de se tourner vers les autres, vers les opposants. C'est eux qui éventuellement, demain, qui va dire à l'ANC, c'est fini. Parce que l'ANC, c'était l'ANC de Mandela, mais finalement, il ne reste que le nom. Mais sinon, l'âme de l'ANC, même national, même international, africain, on pensait à l'ANC en Afrique. Donc c'est une idéologie qui est en train de disparaître. Ce n'est plus, il n'y a plus d'idéologie. Il n'y a plus d'idéologie. Il y a le nom de l'ANC, pas seulement le nom de l'ANC, mais il y a le nom de Mandela. C'est l'ANC qui se mélange avec Mandela. Si vous dissociez Mandela de l'ANC, pratiquement l'ANC est morte. Néanmoins, oui, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'Afrique du Sud, de par sa culture, est un pays qui aime évoluer en douceur, qui n'est pas adepte, depuis l'arrivée de Mandela, où ce fut ce qu'on appelle la grande disruption, préfère avancer doucement et régler ses problèmes internes de manière, non brute. Donc il y a des négociations en interne pour cela. Vous parlez de l'ANC là. On parle de l'ANC. L'ANC reste la seule force politique crédible en Afrique du Sud, que ce soit… – Il y a quand même la montée de la gauche radicale ou le parti de centre-droit, ce sont des partis qui aujourd'hui sont plus à la marge. Il y a un parti politique qui peut rebondir dans l'autre. On a vu en France quelqu'un qui est élu président alors qu'il n'y avait presque pas de parti. Donc ça dépend du mécontentement de la population. Et l'ANC, on peut dire, bon, c'est au niveau de la classe, de l'élite. Mais sinon, les militants de l'ANC, c'était où? C'était à Soweto, c'était à Johannesburg. Aujourd'hui, ils sont en train de se détourner de l'ANC. Non, vraiment, l'ANC doit faire attention. Il y a des gens, bien sûr, historiquement, qui votent toujours l'ANC, mais il y a la jeunesse.
La jeunesse là, qui se tourne de plus en plus vers des personnages comme Julius Malema, par exemple, qui a ces dernières années. Serge Dessous. Oui, très certainement, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut être très prudent avec cette histoire. Moi, en revenant, en arrivant tout à l'heure, je pensais encore à l'élection des États-Unis, où on attendait mathématiquement Hillary Clinton, mais on a oublié qu'entre-temps, son mari a fait deux mandats, que le pouvoir qui finissait était le pouvoir de sa famille politique, il venait de faire deux mandats, et que les gens avaient aussi envie de changer. Et il ne faut pas croire que les Sud-Africains sont différents des autres humains. Ça fait longtemps que l'ANC est là. Comme disait Gratien, l'ANC n'a pas fait beaucoup de choses pour les plus pauvres. Et qu'aujourd'hui, on peut assister à un volte-face complet, total, qui fasse peur. Le risque est l'ANC. Le risque existe. Les personnes qui sont au chômage… Maintenant, la politique n'est pas une science exacte. – Pour revenir à ce possible procès contre le président Jacob Zuma, c'est en 2009 que le parquet a abandonné les poursuites au motif qu'elles avaient été motivées par des raisons politiques. Qu'est-ce qui pourrait faire que finalement le parquet revoie sa décision? Est-ce que le parquet a d'ailleurs intérêt à revoir son positionnement sur cette affaire? Gratien. Oui, bien sûr, le parquet, il ne faut pas oublier qu'on est dans une justice anglo-saxonne où la magistrature, il y a vraiment une certaine indépendance entre les trois pouvoirs. Or, la justice sud-africaine a besoin de montrer qu'elle est indépendante. Elle peut, surtout qu'il y a eu beaucoup de problèmes, notamment avec cette famille Gupta, et beaucoup de dossiers qui n'ont pas abouti. Et là, ils ont quelque chose, un dossier, on parle pas seulement de la corruption, mais de fraude et de racket. On accuse un président, un exercice, au moment où il était vice-président, qu'il a fait du racket. C'est vraiment très grave au niveau d'un pays. Et c'est de cette façon-là, je pense, la justice sud-africaine peut redorer le blason et puis aussi montrer aux Sud-Africains, voilà, nous sommes là, nous sommes les derniers garants de la stabilité de ce pays, parce que les pays anglophones en général, c'est surtout la magistrature qui est le ciment de la stabilité d'un pays. Serge Dessous. Ouais, juste pour ajouter que ce revirement de position, presque dix ans après, peut aussi justifier le fait qu'ils veulent donner l'électrochoc. D'abord aux partisans de l'ANC pour leur dire attention quand même, il est peut-être temps qu'on se regarde sur nous-mêmes et qu'on prenne une autre option, mais également préparer de nouveaux candidats, de nouveaux visages, de nouveaux acteurs politiques à prendre le pouvoir. À partir du moment où on se rend compte que l'ANC est affaibli, ça peut donner des ailes, ça peut donner un peu de motivation, voilà. – Adam Azaizi. – Pour compléter ce que dit mon collègue, ça peut pousser certaines personnes qui ne trouvaient pas cette motivation pour aller de l'avant vers sa grande échéance à se lancer. La justice redémarre son action, si on peut se permettre. On verra ce qu'il en deviendra de ces accusations. C'est quelque chose qui est aujourd'hui entre les mains de la justice. Ça met de la pression sur le parti et sur le président. Ça peut avoir un effet positif pour pousser le changement. Mais c'est quelque chose qui relève aujourd'hui de la justice. On verra ce que l'avenir nous présentera. D'ailleurs, il n'est pas dit que le procès ait lieu avant les élections. Parce que il va y avoir la bataille des avocats déjà. Exactement, la bataille des avocats. Et donc tout ce climat peut être de nature à mettre un peu le frein sur la machine électorale de l'ANC et favoriser donc un nouveau pouvoir. Alors justement, avec cette décision, est-ce que l'opposition sud-africaine se retrouve à présent à galvaniser, notamment l'Alliance démocratique qui essaie quand même depuis 2009 d'obtenir la réouverture de ce dossier. – C'est une option qui est ouverte. C'est à eux maintenant de trouver le moyen de prendre la fenêtre qui est ouverte et de la saisir à leur avantage. Mais l'ANC n'a pas dit son dernier mot. Ils sont capables de retourner en eux, de faire une introspection et de sortir une nouvelle carte. C'est le jeu de la politique. – Gratien, une opposition galvanisée ?– Oui, bien sûr. L'opposition va dire, voilà, nous avons gagné, il y a la réouverture du procès. C'est une bonne chose, surtout que cette opposition était vraiment une montée pratiquement au niveau des élections, même au niveau de la mainmise sur certaines villes. Mmh. On peut se dire que prochainement, au moins au niveau du Parlement, l'ANC, même si l'ANC gagne les présidentielles, l'ANC aura besoin d'une certaine coalition pour faire voter certaines lois.
Adam Azizi. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter que on sent le changement arriver, donc laissons la justice travailler et laissons au peuple sud-africain de choisir la personne qui sera le mieux à répondre à ces problèmes aujourd'hui principaux qui sont le chômage. 30% de la population sud-africaine aujourd'hui au chômage. La proportion est encore plus importante chez les 15-24 ans. Donc c'est l'axe majeur sur lequel doit se focaliser l'économie. Et pour cela, il faut que l'appareil politique ne soit pas perturbé par des externalités de ce type. Donc, Le signal est fort quand même, parce qu'on parle quand même d'un président en exercice, par rapport à qui une justice affiche tous ces chefs d'accusation. On peut se poser la question aussi de savoir quel va être l'impact de cet événement sur d'autres pays. Aujourd'hui, on sait que les deux grands pays qui tiennent l'économie de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria. Beaucoup de choses se sont passées également à ce niveau-là. Donc on a quand même quelques craintes à se faire, qui sont légitimes. Je ne vais pas parler au niveau économique, mais c'est surtout au niveau politique. L'Afrique, nous avons perdu. On n'a plus de leader africain. On avait un regard vers l'Afrique du Sud. On avait Mandela qui incarnait vraiment la grandeur de l'Afrique. Aujourd'hui, on a Zuma qui incarne, je dirais entre guillemets, la petitesse de l'Afrique. On ne voit plus. On a besoin vraiment que l'Afrique du Sud ait un président qui se montre qu'il peut défendre l'Afrique. Il fait partie des cinq grands au niveau du BRIC. Justement, quel avenir pour Jacob Zuma? On l'a dit tout à l'heure, son mandat arrive à son terme en 2019, une fin quand même ponctuée par ces démêlés judiciaires. Alors, quel avenir pour Jacob Zuma? Beaucoup de procès. La prison. Beaucoup de procès, beaucoup de décisions judiciaires qui vont arriver, qui va devoir gérer. Beaucoup de batailles judiciaires. Je ne vois pas comment, même si je reste prudent, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut rebondir politiquement. Il va peut-être se reconvertir après tous ces épisodes judiciaires, il va peut-être se reconvertir dans un autre domaine, économique, agricole, j'en sais rien. Mais politiquement, je vois difficilement. Et puis, n'oubliez pas qu'il, dans son cercle intime, se situent ses premiers adversaires aussi. Oui. Donc, ils n'ont pas intérêt à le laisser rebondir. Merci, messieurs. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.